à la Saint-Denise, fini la bise. Ça tombe bien, Stéphane. En ce moment, on ne peut pas se faire la bise. Ah mais non, moi je parle de la bise de vent du Nord. Humour, Stéphane. Fini le froid, vive le soleil qui se lève. Ah, et ça, ça va faire du bien. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver et toute l'équipe de Silence à Pousse vous a concocté un programme de folie. Allez, vagabondage de l'esprit pour tout le monde, ça ne peut pas faire de mal. Sommaire. Passionné par les ruches, les abeilles et l'apiculture en général, Tanguy Collet a radicalement changé de vie pour produire un miel bio et trouver son bonheur. Aujourd'hui, les pépiniéristes sont invités à sensibiliser les scolaires sur l'avenir de la forêt dans le cadre du changement climatique et les invitent à planter des dizaines de milliers d'arbres. Sur les hauteurs de Cannes, Marina Picasso nous ouvre les portes du jardin de la Villa La Californie, nouvellement redessiné par le paysagiste Jean Musse. Et sans tarder, retrouvons Stéphane sur les hauteurs de Suresnes. Au milieu des immeubles, il est épaté par la beauté et la force des camélias. Cela lui donnera peut-être des idées. Puis il file dardard retrouver Thibaut, qui ne sait plus comment appréhender son petit jardin. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. Le jardin est par là ? On y va. Je te suis. Et voilà le jardin, Stéphane. Oh, on est entre nous, hein ? Ouais. Eh ben écoute, c'est petit, mais ça m'a pas l'air simple. Non, c'est pas bien grand, mais c'est parce qu'il y avait le jardin qu'on a acheté ici. Au début, il y avait plein de petits cailloux blancs, mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir mon petit jardinet, faire pousser des plantes. Mm-hmm. Donc, je les ai tout de suite enlevés. Dans l'idée, je voulais avoir un petit potager. Ça a pas poussé. J'ai essayé de la pelouse, ça a pas poussé. La mousse pousse. La mousse pousse, ouais. Donc, je sais plus quoi faire. Bah là, oui, la réponse, c'est qu'il y a pas assez de lumière, quoi. Ouais. Le brise-vue te prive de beaucoup de lumière, mais il est absolument nécessaire dans la mesure où il y a quand même beaucoup de vis-à-vis. C'est comme si on était en tête de pont. Mm. Et si vous voulez avoir un peu d'intimité, c'est la seule solution. Parallèlement à ça, ces Viburnum timus, l'oriétin, sont très très présents et c'est une ancienne haie en fait. Ouais, alors j'en ai déjà arraché deux. Parce ouais. que, comme tu dis, ils sont très présents. Ils prennent de l'espace, mais ils sont aussi un peu foncés. Enfin, ils sont foncés, c'est une couleur foncée. Là, j'ai ma terre foncée et on aimerait un peu plus de couleur, un peu plus de clarté quand même aussi, ça serait bien. D'où les cailloux blancs des propriétaires Peut-être. Précédents. Ouais. Donc on va essayer de réfléchir à autre chose pour le potager et occuper cet espace-là en essayant de repousser les choses. Ouais. Pousser les murs, apporter de la diversité. Pousser les murs, faire entrer la couleur, vite, un dessin qui nous éclaire. D'accord. Bien, alors on a mis en place notre espace. Donc ici, on va commencer par enlever les dalles. De manière à gagner un petit peu de surface de plantation tout en ménageant le chemin pour aller jusqu'au bout. Ensuite, on va tailler les viburnums de façon à réduire leur avancée vers l'intérieur du jardin tout en gardant le vert, ce qui va être assez délicat. Au fond, il y en a un qui est complètement étouffé. On va planter à son pied un chèvrefeuille qui est tout petit pour le moment, mais qui va grimper pour aller jusqu'à son sommet et ensuite retomber en cascade et fleurir. Ça va être beau. Voilà. De ce côté-ci, il y a un peu de lumière et je pense que ce serait bien d'installer un trachylospermum jasminoïde. C'est un faux jasmin avec un feuillage persistant qui fleurit au mois de juin et qui sent extrêmement bon. On va pouvoir le palisser sur le brise-vue en faux sapin. D'accord. À son pied, on va pouvoir planter un pittosporum mariensi. Il a un feuillage panaché avec des teintes de rose. Ça va apporter un peu de couleur, un peu de lumière. À côté du pittosporum qui est persistant, devant le trachylospermum qui est persistant, on va installer un arbre au feuillage caduc, tant pis, un érable du Japon. Ah, j'adore ça. Ah bah c'est super. Et celui-là, il a un avantage, c'est que quand il a perdu ses feuilles, il a malgré tout des bois qui sont très colorés. Voilà, c'est un endroit un peu lumineux. Et puis l'idée générale, c'est d'apporter des plantes qui vont avoir des feuillages colorés et qui, pour certains, vont vraiment supporter une situation très à l'ombre. Dans ce coin-là, une fois qu'on aura réduit un peu l'emprise de l'oriétain, on va pouvoir installer un fatsia, parce que c'est une plante un peu exotique, enfin, avec une image un peu exotique et avec un feuillage luisant et lumineux. On revient vers nous, là, avec un Andina domestica. C'est vraiment la plante d'ombre idéale. Alors, devant, on va commencer à densifier au pied de ces plantes-là avec un petit Mahonia, Sweet Caress. On va le mettre plutôt vers nous,
Les mahonias, a priori, sont des plantes qui piquent. Celui-là, il est complètement dénué de piquant. Donc là, j'ai des arbustes plus bas, un peu en boule, qui vont occuper le pied des arbustes et encadrer une surface plantée moins haut pour avoir cette impression comme ça de... D'accord. On démarre bas comme ça et puis ça s'élève tout doucement. Au milieu de tout ça, nous allons installer quelques plantes à fleurs. Les cœurs de Marie, par exemple, qui vont fleurir dans les semaines qui vont venir. Et des choses peut-être un peu plus surprenantes, des galliums, couvre-sol, quelques pieds d'alexine, des ophiopogons, nigrescence, c'est une espèce d'herbe noire, des hélébores qui seront au rendez-vous en fin d'automne, histoire qu'il y ait quelques fleurs. Sans oublier, ici, sans prendre trop d'espace, deux contenants dans lesquels il sera possible de faire pousser des aromates, des tomates, éventuellement trois petits radis, deux salades, pour que les enfants puissent à la fois comprendre ce que c'est que semer, pour ensuite déguster. Voilà. Est-ce que tu penses que tout cela va te convenir ? C'est très joli. Et puis alors, de réussir quand même à mettre un petit espace de potager, c'est super. C'est bon, T'as vraiment été à l'écoute, ça sera top. Merci. Alors, allons-y. Il y aura une taille déterminante, des dalles qui s'éclipsent pour libérer du terrain, un sol décompacté, des grimpantes palissées contre le brise-vue, des plantes de terre de bruyère toujours surprenantes, des aromates, des lanternes et le mot de la fin. Il y a de la couleur, c'est exactement ce qu'on voulait, on n'est pas que sur des tons foncés, c'est super. Carole, c'est le moment de retrouver Jeune Pousse, notre série présentant les initiatives écologiques. Oui, on va rencontrer Viviane, elle va nous parler de son affaire familiale avec son frère. Elle cultive des pleurotes en plein Paris. Le lieu est étonnant, donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça. Bonjour Carole. Ça va ? Très bien et toi ? Oui, alors tu m'accueilles dans un lieu improbable. Où sommes-nous exactement ici ? Alors nous sommes au 5 Toits. C'est un projet d'innovation sociale, un tiers-lieu qui mixe les populations et une champignonnière. Qui est derrière cette porte ? Qui est derrière cette porte. Et cette porte a des serrures, pourquoi ? Parce que c'était une ancienne gendarmerie. Ce sont des cellules de garde à vue et qui a été réhabilitée en champignonnière. Donc on passe en garde à vue pour voir tes champignons ? Allons-y ! Oh là là ! Et voici la salle de fructification. Donc c'est là où poussent tous nos pleurotes. Donc là, c'est pas très grand. Hein. Non, c'est pas très grand. On est sur 4 mètres carrés seulement. C'est du béton partout. C'est du béton partout. Les murs... Tout est fixé au mur, au moins. Exactement. Tout est vertical, fixé au mur. Les murs épais. Et du coup, on peut conserver tous nos paramètres de culture. Donc, un bon taux d'hygrométrie, une bonne température et de l'aération. Et au moins, il n'y a pas beaucoup de lumière dans un cachot. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y en a 7 à 8 heures par jour. C'est programmé. Sinon, c'est dans le noir. Artificiellement. Okay. Artificiellement, tout à fait. Bon, on va retourner au soleil, nous, pour continuer à discuter quand même. Allons-y. Alors Viviane, on veut en savoir plus, comment on cultive le pleurote ? Alors les pleurotes, c'est très simple. Alors c'est une variété qui est plutôt facile à cultiver, on va dire, qui a la particularité de pousser sur toutes les matières en décomposition. Donc le marc de café, drêche de brasserie, sciure de bois, paille. Et nous, notre particularité, c'est qu'on cultive sur du marc de café. Le marc de café, pourquoi ? Parce que le marc de café contient de la lignine et de la cellulose, et le pleurote adore ça. D'accord, alors en fait, c'est une idée que tu as eue avec ton frère, c'est pour ça que tu dis nous. Oui, tout à fait, nous sommes associés. Voilà, et en fait, pourquoi le marc de café ? Pourquoi vous êtes partis sur cette piste-là, comme il y en a plein ? Alors le marc de café, pourquoi ? Effectivement, on ne s'est pas dit tout de suite qu'on allait faire du pleurote. On a voulu vraiment contribuer à une forme de résilience urbaine, c'est-à-dire le tri, le recyclage et valoriser les déchets surtout. Donc en zone urbaine, qu'est-ce qu'il existe en grande quantité ? C'est le marc de café. Tout le monde en consomme, on en trouve partout. Et avec le marc de café, il s'avère qu'on peut faire du pleurote. Donc tu récupères, de la part des restaurateurs, j'imagine, le marc de café, c'est ça ? Exactement. C'est un circuit court. C'est un circuit court. On a organisé un circuit de collecte dans le périmètre de la gendarmerie.
on a des partenariats avec des cafés, des restaurants, dans lesquels on met à disposition des bacs et on récupère chaque matin notre mare de café pour le transformer en substrat de culture de pleurotes. Ce qui est incroyable, c'est que les pleurotes, ça pousse très vite. Est-ce que tu peux nous rappeler les étapes stratégiques pour la culture de pleurotes ? Oui, tout à fait. Donc, on récupère le mare de café quotidiennement et on va tout de suite, dans la foulée, le transformer en substrat de culture. Alors, le substrat, qu'est-ce qu'il y a dans ce substrat ? On a le mare de café, des copeaux de bois. Alors, c'est du résineux, du sapin, parce que le pleurote aime bien le sapin. OK. De l'eau. Et du mycélium. Le mycélium, c'est la graine de champignon. Et on va mettre ce substrat en incubation pendant un mois, c'est-à-dire dans le noir, à 24 degrés. On reproduit tout simplement la nature sous terre, comme un champignon pousserait en pleine forêt. Donc pendant un mois, le mycélium va coloniser toutes les matières organiques qui se trouvent dans le sac de substrat. Et une fois qu'il sera tout blanc, ben, nous, on est contents. Donc on fait des petits trous, on le monte en fructification. Et là, c'est ce qu'on appelle l'étape de l'incitation fructifère. Et nos champignons commencent à sortir petit à petit. Mais on change de paramètre de culture dans l'étape de fructification, c'est-à-dire qu'on est à 15-17 degrés, ouais. On met un peu d'humidité, de la ventilation, de l'aération, et là, au bout de 4-5 jours, on obtient nos premiers petits champignons. Alors là, tu sembles experte, mais en fait, ce n'est pas ton métier, ni celui de ton frère. En fait, à la base, vous n'y connaissez rien. Mon frère était géographe urbaniste, ouais. Et moi, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Et il t'a embarqué dans l'aventure. Il m'a embarqué assez facilement. Et aujourd'hui, vous ne faites pas que des champignons. Vous avez pris goût à cette culture hors sol et sous terre. Vous faites aussi des micro-pousses, c'est ça ? Exactement, on fait des micro-pousses. Donc les micro-pousses, ce sont des bébés légumes, en quelque sorte, issus de semences biologiques. Et on a aussi une autre activité avec les chutes de pleurotes et de micro-pousses. On a développé une gamme de tartinables bio et végétariens. Viviane, à la fin de Jeune Pousse, à chaque fois, on dit un geste écologique histoire de faire changer les choses. Quel est le tien ? Alors, au-delà du tri, du recyclage, peut-être au niveau de l'alimentation, est-ce que les gens soient un peu plus vigilants sur la provenance des produits ? Alors qu'on C'est est le capable... cas pour le champignon ? C'est le cas pour le champignon. On a beaucoup de champignons de Pologne, notamment. Et alors qu'on peut produire localement et consommer localement, la preuve en est avec les pleurotes de Paris. Eh bien, très bien. Merci, Viviane. Ouais. On a appris plein de choses. De rien, avec plaisir. Drôle d'endroit pour cultiver des champignons. Oui, c'est un super projet. Alors figure-toi Stéphane qu'en 2020, qui était quand même une année particulière, elle a quand même ramassé 1,7 tonne de pleurotes. C'est quand même énorme. Et en ce moment, elle est plutôt sur une récolte entre 170 et 200 kilos sur 12 mètres carrés. C'est ça qui est fou. Donc un formidable exemple d'économie circulaire. À présent, une autre rencontre. Le portrait de la semaine, c'est Tanguy Collet, un apiculteur qui, pour lui, faire du miel bio a toujours été une évidence. Il va nous parler de sa passion et de ses aspirations. Portrait d'un franc-comtois heureux. Je suis apiculteur amateur depuis une quinzaine d'années et professionnel depuis 4 ans. C'est vraiment un métier qui me plaît, hein. C'est vraiment ce que je voulais. Être entre guillemets mon propre patron, travailler avec mes petites abeilles et puis moi je demande rien de plus. Hein. C'est vraiment le bonheur. Quand j'arrive sur un rucher, la première ouverture de la ruche, vous avez vraiment la ruche qui se réveille devant vous. Ah, c'est toujours un petit moment de surprise et puis de bonheur de découvrir un peu le travail qu'elles ont fait, le travail qu'on a fait un peu ensemble finalement. Donc c'est toujours un moment qui est super excitant. Les cadres sont vraiment pleins à déborder, donc c'est une très bonne nouvelle pour cette année. J'ai toujours aimé les abeilles depuis tout petit. J'avais pas l'occasion d'avoir des abeilles au démarrage et c'est mon beau-père, il y a une quinzaine d'années, qui m'a offert ma première ruche. Pendant que j'étais amateur, ça faisait un moment où je me disais, tiens, j'aimerais bien devenir professionnel. Mais après, avec la famille, avec le travail, j'avais pas forcément le temps pour le faire. Ce licenciement économique a été vraiment le coup de déclic pour se lancer dedans, quoi.
J'ai été licencié en 2015, j'étais avant dans le TP. Ce monde du travaux public était un petit peu en décalage avec mes aspirations d'environnement, etc. Dès que j'étais licencié, je me suis dit, allez hop, on y va, c'est le moment ou jamais à 40 ans de faire ce qui me plaît, donc du coup, allons-y. Moi, je me suis installé en apiculture biologique. Ma femme s'est installée en maraîchage biologique. Et deux, on a changé de vie complètement. Ouais. Un changement de vie global et une vision de la vie à deux. Quoi. Tiens. C'est complètement complémentaire. Ouais. L'apiculture va polliniser les légumes. Les légumes vont permettre d'avoir des fleurs pour les abeilles. Donc, on est vraiment sur un mode complémentaire et tout en bio. Donc, on est vraiment sur un travail en commun. Quoi. À tout à l'heure. Pour obtenir du miel bio, c'est vraiment un vrai travail. Souvent, les gens pensent que parce qu'ils mettent une ruche dans un verger, mais derrière, avec un champ de colza, ils leur mettent les bio. Ouais, c'est faux. Il y a une charte précise sur la zone de butinage. Une abeille va butiner 3 km autour d'une ruche. Donc, il faut que sur ces 3 km, il y ait un maximum de zones naturelles, de zones non boisées, de prairies non traitées. C'est pas simple. Donc, c'est pour ça que déjà, moi, en plus, je ne les transhume pas. Une fois que j'ai trouvé un rucher qui est bio, je le laisse en place. La majorité des apiculteurs transhument leur ruche pour justement avoir toujours beaucoup de miel à fournir. L'abeille n'est pas faite pour être transhumée sur 100 km. Ça les déplace, ça les stresse. Moi, je fais peut-être moins de miel que si je la déplaçais, mais pour l'abeille, c'est bien. Et puis pour le miel, du coup, je suis sûr qu'il est beau. Quoi. C'est la récompense. C'est le Graal. C'est un super moment là. C'est là qu'on découvre vraiment comment va être le miel. J'ai mis le miel liquide, donc déjà on voit qu'il est bien liquide, on voit qu'il est bien foncé, donc bien marqué en goût. Il va être délicieux. Il va pas être bon, il va être délicieux. Le vrai bon miel devient de l'or maintenant. On a beaucoup de miel qui vient de l'extérieur, de l'étranger, qui est coupé, ou c'est des mélanges, etc. Et du vrai miel pur devient de l'or en barre. Ouais. On va laisser déguster ça. Toutes les opercules, là, je laisse dans des pots, et après, je les mets vers les ruchers, et elles les nettoient. Comme ça, moi, je récupère la cire nettoyée, et elles récupèrent le miel, du coup, pour l'hiver. Un travail d'équipe, je le dis. C'est vraiment travailler avec l'abeille, il n'y a pas d'exploitation. Celui qui me dit que j'ai une exploitation apicole, ça ne va pas du tout. J'ai une ferme apicole, je travaille avec les abeilles. Je leur offre le gîte, le couvert, c'est elle qui m'en donne une partie, elle garde une partie, et voilà, on travaille ensemble et c'est très bien comme ça. L'année dernière, je n'ai pas fait de miel justement parce qu'on a eu une gelée juste au moment des fruitiers, en avril, là, donc toutes les fleurs sont mortes. Ils ont passé une année à essayer de se nourrir déjà elles-mêmes avant de pouvoir faire du miel, quoi. Le peu de miel qu'elles ont fait, je leur ai laissé pour elles, justement. J'ai décidé de faire une année blanche, entre guillemets, sur le miel, pour qu'elles soient en forme. C'est vrai qu'apiculteur aujourd'hui, c'est peut-être, entre guillemets, un métier à risque avec ce qui arrive aux abeilles, mais justement, c'est en essayant d'en prendre le plus soin possible que je devrais arriver à m'en sortir et à les faire survivre aussi. C'est pas forcément facile tous les jours, Mais je regrette vraiment pas ce changement de vie. J'ai un métier qui a du sens et qui est conforme à mes valeurs et à mes aspirations. Ah bah toujours positif, moi, toujours. On y arrivera. Que cela va vous intéresser, car ça sent l'été quand on commence à planter des melons. Exactement. Tu sais, il y a quelques semaines, nous avons semé des melons dans des boîtes à œufs. Eh bien, voici que nos melons... Ça a avancé. Oui, il y en a deux qui ont germé plus vite que les autres. Ils étaient donc devant la fenêtre, au chaud. Je les ai même mis près du radiateur pendant quelques jours, histoire de provoquer la germination. Il faut vraiment beaucoup de chaleur pour le melon. Hein. Et là, le dernier est en train de sortir. Mais celui-ci... Il est haut, oui. Oui, celui-ci, il est déjà grand et surtout, ses racines commencent à passer au travers de la boîte en carton. D'accord. Donc il est temps d'intervenir. Donc, ce n'est pas compliqué. Tu vas, s'il te plaît, remplir ce pot avec du terreau.
Hop. Parce qu'en fait, si nous n'intervenons pas, il va dépérir. Parce que là, c'est trop petit, cet alvéole d'œuf. D'accord, il a besoin de plus de place. Il a besoin de plus de place pour se développer. Voilà, donc là, c'est pas compliqué. On découpe. Je découpe l'alvéole. Voilà. Et oui, et ce qui est bien, bah, vas-y. Hein, ouais. On peut le mettre direct parce que comme les racines passent au travers, elles vont continuer leur petit bonhomme de chemin dans le terreau. Okay. Comme ça. Parfait. J'arrose tout de suite ou pas? Tu peux arroser tout de suite et puis on va évacuer la table pour passer à l'étape suivante. Voilà. Tiens. Et donc là, tu le remets au chaud, j'imagine. Oui. Ah bah oui, je vais le remettre derrière la fenêtre de la cuisine. Mais voici que. Quelqu'un tu veux gagner du temps. Quelqu'un m'a confié des melons qu'il avait semés bien avant moi. Et puisque nous sommes sous le tunnel et qu'il fait chaud dans la journée, nous pouvons les repiquer. D'accord. Voilà. Peut-être qu'à l'extérieur, nous attendrons encore 15 jours. C'était ma prochaine donc question. Donc, ils sont jolis. Ils font une vingtaine de centimètres. Et voici comment nous allons les transplanter. Mmh. Donc là, ici, j'aime bien que les melons poussent sur quelque chose de propre. Sur du feutre, sur de la coco. Exactement. C'est du feutre de coco. Tu veux bien le dérouler? Oui. Il a déjà servi, en fait, mais... Tu fais de la récup? Oui, toutes les choses ne sont pas usées, elles doivent servir encore. La distance de plantation des melons, c'est 75 cm entre chaque plant dans le rang et 1,20 m entre chaque rang. Oui, donc tu ne vas pas pouvoir utiliser tes trous, là. Là, j'ai combien? 1, 2, 3, c'est juste, mais... Donc, je repère l'endroit où je vais transplanter le melon. Ensuite, nous allons retirer le feutre. Hop. À l'endroit de la plantation du melon, je vais faire un trou. D'accord. D'à peu près 40 cm de profondeur. Oui, il y a quand même besoin d'aller. Ah, c'est très, très, très gourmand, le melon. Si tu veux avoir des fruits, il faut lui donner à manger. Donc, j'imagine que tu vas ajouter des choses dans ta fosse. Exactement. Je vais ajouter du compost. Mm-hmm. Et de la fumure. Exactement. Tiens, la fumure, je te la passe. Merci. Voilà, donc je mets... Pas facile. Je te mets une cuillère ou une deux? Une cuillère, oui. Voilà. Je rajoute de la terre par-dessus le compost et la fumure de façon à ce que les racines du melon ne soient pas en contact direct avec ce mélange. Parce qu'en fait, les racines ne doivent pas toucher la fumure, sinon ça les brûle, c'est ça? Exactement. Il me l'a dit juste avant, c'est pour ça que je le savais. Allez, vas-y, plante-le. Là? Ouais. Moi, je vais planter celui-là. Et là, Stéphane, au bout de combien de temps tu vas avoir tes melons? Je sais pas, d'ici 2 mois. Ok. Tout dépend de la chaleur, en fait. Et t'arroses beaucoup? Oui, le melon, il est assez gourmand en eau. Faut pas le noyer, mais faut l'arroser au moins 2 fois la semaine. Donc là, nous allons recouvrir nos melons, non pas pour les faire blanchir, mais pour ne pas les abîmer au moment où nous allons remettre la fibre de coco. Hop. On maintient, on soulève. Et voilà, ils ont les pieds propres. Et comme ça, le fruit ne touche pas la terre. Le fruit, les feuilles, rien ne touche la terre. Quelques agrafes pour fixer la fibre. Et le tour est joué. Très bien, ça donne envie. Oui, hein, vive les melons. On va quitter la serre et on part se promener dans les bois. On s'intéresse à la forêt qui représente plus d'un tiers de notre territoire, 17 millions d'hectares. Il faut s'intéresser à elle, et ce, dès le plus jeune âge, un reportage avec notre partenaire France Bois Forêt. Trois millions et demi de Français possèdent un morceau de forêt, des parcelles n'excédant pas 4 hectares pour la grande majorité. Souvent hérités, ces bois sont insuffisamment entretenus, mais potentiellement puits de carbone, réservoirs de biodiversité et producteurs de matières premières. Ces écosystèmes nécessitent d'être gérés durablement afin de maintenir leurs fonctions environnementales et économiques. Des petits chênes qui ont été mis sur cette parcelle qui appartient à un propriétaire privé et qui a une forêt depuis des générations, une vingtaine d'hectares. Et cette forêt-là n'avait pas été gérée depuis plus de 30 ans. On a accompagné le propriétaire pour faire un diagnostic de la forêt, voir dans quel état elle était, un état qui était pas très bon au niveau sanitaire, au niveau de la qualité des arbres, et on a décidé de changer d'espèce. On a de vraies inquiétudes sur l'avenir du climat demain et la façon dont les forêts vont s'adapter au climat. Et donc on commence par réintroduire des espèces qui seront demain capables de résister au climat qu'on suppose être plus chaud.
Et il faut que la forêt puisse à la fois avoir des espèces qui conviennent au sol et qui poussent, hein, et ça c'est important, et puis deuxièmement, aussi des espèces qui conviennent aux besoins des territoires demain. Or aujourd'hui, avec le développement de la construction bois, on a besoin de chênes, mais on a aussi besoin de résineux. Vous avez aujourd'hui un regain d'intérêt pour la forêt et qui arrive très tardivement, puisque ça fait à peu près 2 générations en France qu'il y a une urbanisation massive de la population française et donc des forêts qui sont moins entretenues, surtout dans la petite propriété privée qu'elles ne l'étaient par le passé. Et donc ça fait en gros 30 ans en France qu'on reboise 2 fois moins que par le passé et 4 fois moins que l'Allemagne ou 10 fois moins que la Pologne. Pour renouveler le reboisement forestier, un plan de relance de près de 150 millions d'euros vient d'être engagé par l'État. Ce seront donc plus de 45 000 hectares de forêt qui devraient être régénérés, soit environ 50 millions d'arbres. Les pépiniéristes, comme Samuel Lemonnier, participent activement au repeuplement forestier, des plantations qui ne seront visibles que par notre descendance. On dit toujours en forêt, on plante jamais pour soi, on plante toujours pour les générations futures. Parce qu'un arbre, quand on le plante aujourd'hui, par exemple un chêne, il va commencer à arriver à maturité, enfin adulte, en 2100, donc dans 80 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que c'est un ensemble de fonctions que remplit la forêt, à la fois environnementale, à la fois économique et aussi de loisirs. Elle est le poumon. C'est la forêt qui va fournir de l'oxygène, c'est aussi qui va capter du carbone, donc qui va avoir ce rôle-là enfin, environnemental qui est très important. Chaque mois de mars est lancée l'opération « La forêt s'invite à l'école ». Avec l'aide des pépiniéristes, les élèves de la maternelle au lycée participent à une plantation de haies et de bosquets. Une première approche à la gestion durable de nos forêts. C'est pour finalement les sensibiliser à la plantation, montrer qu'un arbre, pour qu'il y ait un arbre, il faut souvent le planter. Finalement, la vie, elle est quand même aussi tournée beaucoup vers la ville. Et donc c'est aussi une occasion de découvrir aussi finalement le milieu dans lequel on vit. Même si on vit à la campagne, on ne le connaît pas forcément, on n'a pas toujours eu l'occasion de planter un arbre. C'est bon là ? Oui, c'est parfait. Tu peux tasser ? Ouais, tu peux tasser un petit peu, mais sinon c'est bien comme ça. Dans le cadre de la Journée internationale des forêts, hein, qui est une journée de l'ONU, la forêt s'invite à l'école, c'est une occasion en fait de présenter la forêt et les plantations aux jeunes enfants. Les enfants, on voit, ils sont très motivés pour planter et le fait de s'impliquer, de l'avoir fait une fois, c'est un acte dont on se souvient parce que finalement, il est quand même assez symbolique et c'est important finalement de le faire parce que c'est quelque chose dont on se souviendra dans quelques années. C'est des connaissances de base mais qui sont importantes. La différence entre les feuillus, les résineux, quelle est la surface de la forêt en France. Voilà, c'est vraiment une connaissance globale des forêts à la fois en France mais aussi des forêts qu'on a en Outre-mer. Ils vont quand même acquérir beaucoup de notions qui vont aider pour l'avenir. Et puis comme ils le disent, là, c'est dans 50 ans qu'ils verront ces arbres-là. Quand ils vont venir voir leurs parents, ils viendront voir les arbres et puis ils vont se rendre compte qu'ils ont poussé. Et puis ils vont se dire que bah, quand on a fait ça, on n'y pensait peut-être pas, mais c'est déjà l'avenir. Reboiser son espace de vie, c'est le défi relevé par un élève de première du lycée horticole d'Evreux. Il va falloir être efficace, motivé et travailleur. Aidé par l'ONF et toujours en lien avec La Forêt s'invite à l'école, ce futur pépiniériste dirige la classe pour mener à bien son projet. J'ai 16 ans. Je suis président de l'association des éco-responsables au sein du lycée. Les éco-responsables, c'est une association. Donc nous, c'est mener des projets écologiques en lien avec le développement durable et l'environnement. Suite à notre projet, La Forêt s'invite à l'école. On va faire un petit bosquet champêtre. Donc on le gère et on encadre les élèves pour planter sur notre espace de biodiversité. Initié par l'ONF et l'association Terre Agir, donc il y a eu près de 200 dossiers quand même sur La Forêt s'invite à l'école. On fait partie des 14 qui ont été choisis, donc là-dessus on est très fiers pour une première participation à ce projet. Donc là, on a plusieurs essences. Là, on a des orangers du Mexique, on a des viornes aubiers, des noisetiers. Après, là, on va avoir de la symphorine et de la charmille. Quand on a créé le dossier, on les a choisis pour avoir une bonne diversité selon les lots que l'ONF proposait.
Je regarde mon plan par rapport au trou qu'on est en train de faire pour les disposer en quinconce, que les essences se croisent bien. Les plantes, c'est une science, c'est une passion, enfin, c'est enrichissant et c'est apaisant. On aime ça, apprendre aux autres. Et pour moi aussi, c'est important, ouais, transmettre des choses, les investir, surtout, c'est ça. Se dire qu'on crée quelque chose et qu'on améliore quelque chose, pour nous, c'est un très gros point fort. Si on laisse tout pousser, ça finira par une fois. Bah, du haut de mes 16 ans, je pense avoir déjà planté une cinquantaine d'arbres. Largement. Ouais. 30 000 plants ont été offerts cette année pour les projets éducatifs. Avec de tels défenseurs, la forêt de demain est sur la bonne voie. Nous allons tous ensemble bouturer une plante incroyable, un échiome magnifique. Oui, j'adore. Echium fastuosum, ou autrefois nommé Echium candicans. Moi, j'aimais bien candicans, je trouvais qu'il y avait un côté candide. C'était vraiment joli, tu vois, ce bleu merveilleux. C'est une plante qui est originaire de Madère. Et évidemment, ce n'est pas le même climat qu'ici. Donc, j'ai parfois essayé de la garder dehors en hiver. Et même si le climat est doux, il s'avère que les dernières gelées de mars avaient raison des boutons floraux. Donc, voilà, j'avais une plante qui ne mourait pas, mais dont les boutons fondaient. Grillée par le gel. Donc la rentres maintenant. Voilà, donc elle passe tous ses étés dehors, sur la terrasse, au soleil, elle aime ça. Et l'hiver, je la rentre dans le jardin d'hiver, à l'abri, de manière à pouvoir profiter de ses fleurs, de ses cierges bleus, que je trouve merveilleux. C'est vrai. Et en fait, c'est une plante qui est très facile à multiplier. Il faut simplement respecter une règle, c'est en juin que cela se fait. Bon, là, on est un peu en avance, mais c'est pour vous aider chez vous, c'est ça? Ben moi, je voulais convaincre, tu comprends? Je voulais convaincre en montrant les fleurs. Si j'attends le mois de juin, les fleurs vont avoir disparu. Non, mais puis aussi, il faut s'organiser. Au moins, on sait que dans 15 jours, on s'y met. Voilà, dans 15 jours, vous pourrez multiplier l'Echium fastuosum ou Echium candicans. Donc, c'est pas très compliqué. On va préparer le pot, un pot de 20 cm, au fond duquel tu vas mettre des billes d'argile. Un petit tesson. Voilà. Toc. Voilà, c'est bien. Et ensuite, je vais te laisser préparer le mélange. 2/3 de terreau. Et donc, 2 pelletées de sable. D'accord. Voilà. Je mélange. Parfait. Voilà, monsieur, c'est prêt. Tu veux bien mettre du mélange dans le pot? En fait, c'est moi qui fais tout aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Je vais couper la bouture. T'as le savoir, j'ai les mains. Tac. Super. Donc, là, je vais prendre un départ de branche qui n'a pas fleuri, bien entendu, qui ne porte pas de bouton floral, bien entendu. Donc, je coupe juste au départ de cette branche latérale. Voilà. Ensuite, je fais un avant-trou, toc. Je mets la plante dans le sable et le terreau. Je vais mettre quelques graviers tout autour. Après, on arrose ? Oui, on arrose. Parfait. Hop. Donc, nous allons déposer notre bouture au chaud, mais à l'ombre. Pas de rayon du soleil direct qui ferait sécher toutes les feuilles, d'accord ? Et puis là, regarde, petite surprise. Oh ! Une bouture que tu as déjà faite? Oui, il y a un an, en juin. Et voilà, et cette ça année, ça marche tellement bien que elle est en train de développer une première fleur. Et après, j'imagine que tu la changes de peau parce qu'elle devient énorme. Ben, ça devient énorme, donc celle-ci, elle va être empotée dans 15 jours, quand elle aura fini de fleurir. Et ben, vous connaissez tout sur les échiums. Candicans fastuosum, parce qu'il y en a d'autres. À présent, pour la balade de la semaine, nous allons avoir un jardin d'exception. Marina Picasso, la petite fille du célèbre peintre Pablo Picasso, nous a ouvert les portes de sa maison, mais aussi de son jardin. C'est un balcon sur la Méditerranée. Regardez. Sur les hauteurs de Cannes, la Californie donne son nom à une colline, mais aussi à une villa devenue légendaire pour avoir été l'atelier et la résidence de Pablo Picasso. Le temps est passé. Aujourd'hui, Marina Picasso, sa petite fille, a décidé de redonner son lustre à la maison et lui offrir un jardin élégant et vivant. C'est votre nouveau jardin. Il a un an, mais comment est-ce que c'était auparavant?
Ben, auparavant, quand j'ai hérité de la maison de mon grand-père, comme il n'était pas du tout passionné par l'extérieur, il était dans son monde, il ne s'est pas occupé du jardin du tout, il était vraiment à l'abandon. Et ensuite, lorsque je suis devenue héritière, que j'ai choisi cette maison, j'ai choisi de la restaurer et d'arranger le jardin. Mmh. Et on m'a présenté Jean Mus, et là, il m'a soumis un projet. Et à ce moment-là, je suis rentrée dans l'histoire de son projet. Et au fur et à mesure que les choses avançaient, ben, je me suis passionnée pour son travail et par le jardin. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il m'a dit au départ, mais ne vous tracassez pas, tout existe dans ce jardin. L'essentiel, c'est de l'organiser, de le sentir et de ressentir les choses. Et vous allez voir, ça va devenir votre jardin. On va rajouter bien sûr des plantes. Mais finalement, les fleurs qui viendront, elles viendront aux saisons. Ça sera vraiment un jardin en pleine nature et naturel. Jean, est-ce que tu peux me raconter, m'expliquer à quoi ressemblait ce jardin avant que tu n'interviennes ? Ben, écoute, j'arrive dans une jungle. Tu as un bâtiment début 19e qui cherche d'émerger au-delà des eucalyptus, des chênes. Et donc, étape par étape, parce que j'ai expliqué qu'il fallait découvrir et ne pas se tromper dans l'élagage ou l'abattage des arbres. En fait, c'est vraiment un exercice difficile parce que faire le vide total, c'est facile, mais c'est saut. Y aller progressivement pour laisser la place et imaginer quelque chose d'autre, c'est autre chose. Mais c'est surtout un exercice, j'allais dire, d'humilité, d'observation. Donc tous ces monuments sont en place, ces arbres-là qui sont là, les grands eucalyptus, et c'est donc à partir d'eux que tu vas construire de l'espace. C'est à partir d'eux et avec eux, quand je dis avec eux, c'est par rapport à l'ombre, par rapport au soleil, que j'ai essayé de retrouver une histoire où les jardins d'inspiration de la Côte d'Azur, ça veut dire un peu italien, un peu anglais, un peu provençaux, un peu arabe, pourraient trouver ou retrouver leur place. Leur place. Il a fallu redéfinir les cheminements. Oui, il a fallu redéfinir les promenades. Les promenades. Les promenades. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, il y a plein de qualités d'espace entre l'air que tu donnes aux endroits et l'espèce de confinement qu'on peut trouver dans certains autres. Ça, c'est les pleins et les déliés. On a besoin des deux. Donc, ils génèrent des respirations. Mais c'est aussi, j'allais dire, la respiration ensoleillée et la respiration de l'ombre. Et dans un jardin du sud, on a véritablement besoin d'ombre. Alors on fait des clairières, on respire, et là on accueille les orangers parce qu'ils ont besoin de soleil. Et puis... Et les dragonniers. Alors les dragonniers que nous avons mis sur des buttes, dans des terrains sableux, parce que chaque fois on essaie de préparer, d'accueillir les végétaux dans des milieux qui se rapprochent de la chose originale. Alors ça, c'est une lecture. Et puis, on va repartir ensuite vers un côté, allez, plus exotique, où l'ombre se fait plus forte, mais où les oiseaux se font entendre. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, peut-être, un banc irait bien à ce côté-là, parce que j'aurais une compagnie permanente. Non, mais c'est ça, le jardin. Ouais. C'est rien d'autre. Après, on prend les éléments, les arguments, on les associe. Et surtout, quand je regarde, et là, j'y suis pour rien, et tant mieux, les meilleurs résultats sont ceux qui viennent de la complicité entre la nature et nous. Et quand on voit ce chêne liège, sa sculpture, son élan, sa forme, il n'y avait plus qu'une chose à faire. C'était d'installer un jardin d'inspiration japonaise. En Provence, on dit qu'il faut écarquiller les yeux pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, quand on a écarquillé, souvent, on trouve les réponses. Ouais. Alors que quand on veut inventer ou imposer... Vous aviez des envies initialement ? J'étais très attachée à l'idée d'y incorporer mes enfants adoptifs qui sont d'origine asiatique. Et lorsque Jean m'a proposé de faire comme un petit endroit japonais, ah, j'ai dit c'est merveilleux. Et vous vivez comment ce jardin à présent ? Maintenant que vous êtes un peu dedans, enfin, au bout d'un an, on a pris possession des murs. On a pris possession. Tout juste maintenant, parce qu'il vient d'être terminé il n'y a pas longtemps. Mais j'aime bien m'y promener avec mes chiens, j'aime bien me reposer dans un coin. On a mis des bancs dans des petits coins discrets. Ça me permet de lire, même des fois de recevoir des personnes. C'est agréable, plutôt que de faire un rendez-vous dans la maison, bien, on se positionne dans le jardin. Et comme un petit peu par magie, les gens se sentent bien et la conversation devient paisible. Et c'est impressionnant comme la nature peut jouer sur le tempérament, même de gens quand même un peu hyperactifs. Avec son nouveau jardin, la Villa Californie s'est accrochée au présent.
Résolument contemporain, il définit les espaces avec simplicité. La promenade se déroule en douceur, animée par ces plantes qui signent les ambiances. Sous l'ombre des arbres séculaires, impressionnant monument dont la ramure nous permet d'oublier la ville si proche. Une nature bien dessinée, un paysage, rien de moins. La plante de la semaine est une petite merveille avec en plus la rosée sur ses pétales, c'est magnifique. La rosée sur le Chaenomeles speciosum mangostorm. Mais quel nom ! À rallonge. C'est une plante de la famille des rosacées, d'origine horticole, issue de plantes venues de Chine. Son petit nom, c'est cognassier du Japon. Alors Chine, Japon, tu vois, on sait toujours le grand mélange. Et surtout cognassier à fleurs. C'est un arbuste au feuillage caduc. La floraison intervient de mars à mai. Génial. Grande amplitude. Ouais. Elle va mesurer 1 mètre de hauteur pour 1 mètre d'envergure. Je crois qu'elle va les dépasser, les a déjà dépassées. Elle va supporter tout type de sol, une exposition soleil mi-ombre et une rusticité à moins 15 degrés. Je trouve que cette fleur semi-double comme ça c'est est très impressionnante. 3-4 cm de diamètre, c'est vraiment... Mais juste à côté, t'as... T'as le blanc, c'est ça, j'allais te demander. Ouais. En fait, il existe aussi en blanc. Il existe aussi en blanc. Enfin, blanc-jaune. Comme ça, ouais. Sublime, sublime. Chaenomeles, speciosum pour les deux, mangostorm pour celui-ci. Eh bien, nous continuons avec la suite du pas de panique. Est-ce que tu as mis cette plante chez Thibaut ? Impossible. Impossible, parce que Thibaut a une terrasse à l'ombre. Stéphane doit faire des miracles. Il y est arrivé, regardez. Stéphane a retrouvé Thibaut dans son petit jardin complètement dévoré par une haie. Il ne sait pas quoi faire. Le dessin propose de dégager de l'espace, d'apporter de la couleur, tout en restant protégé du vis-à-vis. Est-ce que tu penses que tout cela va te convenir ? C'est très joli. Merci. Ouais. Alors, allons-y. Thibaut, moi je vais commencer par m'occuper des viburnums, des lauriers-teints, pour essayer de réduire l'emprise des lauriers-teints dans le jardin, quitte à couper certaines grosses branches pour ramener un peu d'espace et un peu de lumière. Parce que je suis convaincu qu'avec la lumière, la branche qui est derrière fera de nouvelles pousses. De ton côté, ce qui serait bien, c'est que tu enlèves tout ce qui traîne et que tu fasses disparaître les 1, 2, 3, les cigales qui sont là, de façon à ce qu'on puisse planter à leur place. Très bien. Stéphane entreprend une taille sévère des lauriers-teints en épaisseur et en hauteur. Thibaut fait disparaître quelques dalles, la surface libérée est aussitôt ameublie. Un trachélospermum jasminoïde est planté contre le brise-vue. Il profitera de la lumière quelques heures par jour. Moins bien exposé, voici un jeune chèvrefeuille et des arbustes aimant l'ombre et les sols acides. Stéphane, j'enlève les élastiques du tuteur ? Oui, s'il te plaît, puis t'enlèves le tuteur en même temps. Ok. Donc l'idée, c'était de planter l'hydrangea petiolaris le plus près du mur, de manière à ce qu'il se retrouve plaqué contre le parvis. À présent, tu vas pouvoir, grâce à ça, du lien mou, le plaquer contre, de la même manière que je l'ai fait avec le trachélospermum jasminoïde. Et alors, okay. Ce qui est intéressant, c'est que cet hydrangea petiolaris, il fleurit au nord. Donc là, il n'y a pas beaucoup de lumière, il va être très très content. Donc, tu vas avoir des fleurs blanches comme ça tous les ans au mois de juin. Puis il s'étale. Sauf qu'il va vouloir aller chercher la lumière. Donc en fait, il va essayer aussi de sortir de l'autre côté. Donc ça va t'obliger de temps en temps à aller avec ta cisaille, le couper, mais en laissant un tout petit peu pour qu'il reste accroché. Ce qui fait qu'à terme, ton hydrangea, il va avoir investi tout le brise-vue, il va le recouvrir complètement, ce qui fait que si t'en as envie, parce que ça, c'est pas le projet de ta vie, ouais, hein, non, effectivement. Tu vas pouvoir y faire disparaître les viburnums les uns après les autres. Ok, super. Et même chose en face, le trachélospermum, si tu le guides, il va investir complètement ce parvis, et donc tu vas pouvoir supprimer ces choses qui donnera de la place à ce que nous allons à présent installer. Super. C'est parti pour un festival de plantes d'ombre. Un Andina domestica d'un côté, un Fadzia de l'autre. Un érable du Japon déploie son écorce corail et débourre ses nouvelles feuilles. Un Sarcococca embaumera l'endroit. Un Pieris allumera le feu avec ses jeunes feuilles. Un Choisia Sundance si lumineux. Enfin, un Maonia Sweet Caress fleurira à l'automne. Moi, je le prends là. Non, il y a trop de soleil. Donc l'idée, c'est de le mettre... Ici, peut-être. J'ai pas envie d'avoir un camélia monumental, tu vois. Et quand il y a peu de lumière, les branches sont graciles,
et elles sont peu denses, ça fait vraiment plante de sous-bois, quoi. D'accord. Alors que si tu mets le camélia à la lumière et que tu le tailles, là, tu fais du thé. C'est très, 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 très dense, exactement comme le toit de notre haie ici. Donc là, ici, en le plantant comme ça, j'espère qu'il va faire des pousses un peu graciles, de manière à pas tout boucher derrière, et peut-être de manière aussi à t'aider à avoir quelque chose de transparent. Quand le feuillage est moins compact, il est plus facile de lire la structure de la branche. Peut-être qu'il fleurit moins, d'accord, mais ça, c'est pas grave, parce que ce sera encore plus élégant. Et de supprimer une branche, tu vois, une sur trois, de façon à garder cette espèce de légèreté, et pas trop volumineux. C'est pas parce que tu vas avoir réussi à faire disparaître ceux-là qu'il faut que celui-là prenne leur place. Il y a la place, non, d'accord. À lui tout seul. Quelques arbustes compacts sont encore plantés au pied des lauriers teints. Plus au centre de la plate-bande, les plantes vivaces, des cœurs de Marie, bien nommés, des fougères, des galliums surnommés aspérules odorantes, de l'elxine apportent leur vert tendre. Sur la terrasse, les pots sont percés, les billes d'argile versées pour assurer le drainage. Ne manque plus que le terreau pour planter du thym, du persil, du romarin pour les aromates, des tomates cerises, de la coriandre et dans un espace resté libre, Thibaut sème des radis. Un paillis de cosses de fèves de cacao était allé au pied des plantes en prenant soin de ne pas recouvrir les plus petites. Il y aura bien une place pour quelques lanternes. Thibaut, c'est fini. Est-ce que ça a un petit peu changé ? C'est magnifique. On a de la profondeur. Enfin, on a rouvert un peu le jardin, j'ai l'impression. Il y a de la couleur, c'est exactement ce qu'on voulait. On n'est pas que sur des tons foncés, c'est super. Puis alors, l'idée des plantes grimpantes, c'est bien parce qu'on va pouvoir peu à peu se débarrasser des teints. Du laurier teint. Mm-hmm. J'aime particulièrement l'érable du Japon parce qu'en plus, enfin, en voyant déjà sa hauteur, il va vraiment prendre de la place, bien se positionner. Et puis pareil, je pourrais un peu enlever le laurier teint, et puis cette plante-là, qui a beaucoup de présence au milieu, ça s'appelle comment déjà ? C'est un fatsia. Et l'idée du potager, bah, c'est super d'avoir gardé l'idée. Moi, je sais qu'avec mes fils, on va passer des bons moments à l'entretenir, et puis surtout à déguster les tomates. Bon, écoute, amusez-vous bien ici, et profitez bien de cet espace qui s'est un peu ouvert. Ouais, je suis sûr. Merci Stéphane. Le petit triangle de jardin a repris vie. Les lauriers teints ramenés à la raison ont permis d'installer des grimpantes qui bientôt prendront l'avantage sur le brise-vue. Au pied, les arbustes rivalisent pour apporter une belle diversité de textures et de couleurs. Thibaut a retrouvé son rêve de jardin. Un grand jardin, une petite terrasse, Stéphane s'adapte à toutes les situations. Il suffit de vous inscrire pour participer au Pas de Panique. Et pour cela, vous pianotez France.tv, vous regardez l'émission autant de fois que vous voulez. Merci. Bon, on parle des livres à présent, Stéphane. En écho à notre rubrique Jeune Pousse, ce cahier d'activité atypique est très intéressant. Ça s'appelle Recyclart. C'est édité par les éditions Larousse Jeunesse. C'est un cahier de dessin et à l'intérieur, tu vas voir par matière comment t'amuser avec ce qui nous entoure. Là, la palette, une fois recyclée, elle va servir de granulés de bois ou de litière pour animaux. C'est ce qu'on apprend. Mais toi, tu vas devoir dessiner par-dessus. Là, tu as une branche d'arbre, et ben, ça va devenir ce que tu veux. On appelle vraiment à la créativité des enfants, où là, la palette est un bateau, où ces bouchons de liège seront une forêt. C'est vraiment une ligne d'information pour comprendre notre monde et savoir vers quoi aller, quelle transition écologique choisir, mais aussi de la création avec vos enfants. C'est très bien fait et très intelligent. Pour ma part, Jérôme Julien, désherbé bio, les solutions zéro phyto pour jardin, potager, cour et allée aux éditions Ulmer dans la collection Mini Maxi. Nous commencerons par voir quelles sont les différentes méthodes pour désherber, manuelles, mécaniques, thermiques, comment éviter de désherber avec les couvre-sols, les paillages, ensuite repérer les différentes plantes qui sont le plus fréquemment présentes dans nos plates-bandes et surtout les méthodes pour désherber chacune des parties du jardin, bien entendu, tout cela dans des bonnes pratiques pour respecter l'environnement. Bon, eh bien, vous avez quelques livres à rajouter à votre bibliothèque. Alors, à la semaine prochaine.